Aujourd'hui, à Rome, c'est une grande solennité, la solennité de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Comme je l'ai souligné au début de la célébration, il y a quatre basiliques majeures dans l'Église et dans le monde, et les quatre se trouvent à Rome. Il y a d'abord Saint-Pierre, ensuite Saint-Paul hors les murs, ensuite Saint-Jean Latran et Sainte-Marie Majeure. Saint-Jean Latran est normalement la cathédrale du pape. Saint-Pierre fait office de sanctuaire universel de l'Église. Ce n'est pas la cathédrale du pape, le Saint-Pierre de Rome au Vatican. Tandis que Saint-Paul hors les murs s'était nommé ainsi parce que lorsque Saint-Paul hors les murs comme basilique a été construite, bâtie, eh bien, à ce moment-là, elle était en dehors des remparts de la ville de Rome. Aujourd'hui, elle se trouve bien, bel et bien, à l'intérieur de la ville. De même que Saint-Jean Latran se trouve directement dans un petit banlieue de Rome qui s'appelle le Latran. Donc, le Vatican, le Saint-Pierre au Vatican se trouve sur le petit mont qui s'appelle le Vatican. Et donc, seule la basilique Sainte-Marie Majeure se trouve vraiment à l'intérieur de la ville de Rome et dans la terre plate. Donc, cette basilique, on pourrait la considérer comme étant la mère de toutes les basiliques mariales du monde, car elle a été la première à avoir été édifiée après la persécution de l'Église. Cette Marie Majeure a été bâtie à partir du IVe siècle en tant que telle. Pour la petite histoire, vous devez savoir que la voûte de la basilique Sainte-Marie Majeure à Rome est à l'intérieur de cette basilique. Vous trouvez dans la voûte un peu d'or, et cet or viendrait de l'Amérique et probablement d'Haïti, d'après ce que l'histoire rapporte. Mais ce qui est important à retenir lorsque nous parlons de la dédicace d'une basilique, c'est comme l'acte de naissance de cette église. Et c'est une basilique, ça veut dire c'est une sorte de sanctuaire qui est ouvert sur le monde et qui ne fait pas office de paroisse en tant que tel. Donc voilà un peu pour la dédicace de la basilique de Sainte-Marie Majeure à Rome. La liturgie du jour nous fait entrer à l'intérieur d'épisodes de choses extrêmement importantes. D'abord, c'est la mort de Myriam, qui est la sœur de Moïse et d'Aaron. Et ensuite, comment le Seigneur, par Moïse, a fait jaillir de l'eau dans le désert pour son peuple. C'est raconté dans le livre des Nombres, comme au chapitre 26. Ce qu'il importe de se rappeler, c'est que le Seigneur, qui est tendresse et pitié, ne laisse jamais son peuple en situation de désespoir chronique. Il vient toujours à notre rencontre. Mais il y a une chose dont il faut toujours se rappeler. Dieu nous a donné de l'intelligence et de la volonté pour pouvoir agir. C'est avec notre intelligence et notre volonté qu'il faut faire ce que nous devons faire. Autrement dit, Moïse ne pourrait en aucun cas rien faire sans le Seigneur, mais le Seigneur ne ferait pas non plus des choses sans les hommes. Et c'est ainsi que Moïse a été son instrument. Autrement dit, pour que Dieu fasse des choses pour nous, pour l'humanité, il a besoin nécessairement
de la collaboration des humains. C'est lui qui l'a décidé ainsi. Et comme très souvent je le dis, notre pays ne sera pas meilleur lorsque nous prions vers le Seigneur de venir nous sauver. Il attend que nous, nous apportions aussi notre contribution pour un monde meilleur. Haïti sera meilleur quand les Haïtiens l'auront décidé et quand ils travailleront pour qu'Haïti soit meilleur. Mais Dieu tout seul ne rendra pas Haïti meilleur. Il faut le savoir parce que c'est la vérité de la foi, la vérité de la théologie de l'Église. Cela nous permet d'aller directement dans la compréhension de l'Évangile où au chapitre 16 de Matthieu, nous avons notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ qui se sert de Pierre, mais de deux manières différentes. Dans la première manière, donc il établit Pierre dans sa primauté, c'est-à-dire Pierre a la préséance sur tous les autres disciples et apôtres en l'établissant comme étant celui que l'Église va considérer comme son pasteur universel et par qui cette Église pourra se tenir sur les flots. Donc, c'était la première déclaration de Jésus après qu'il ait posé la question à ses disciples, « Qui suis-je ?» Non pas pour les autres, mais pour vous. Pierre, répondant au nom de tous, a pu voir, comprendre et déclarer que Jésus était le Messie. Et Jésus lui-même a fait comprendre que Pierre ne pouvait pas trouver cette réponse sans la collaboration de Dieu. Ça, c'est la première manière de Jésus d'intervenir avec Pierre dans l'Évangile. La deuxième, c'est quand Jésus a annoncé que sa mort est prochaine, qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il se relèvera des morts le troisième jour. Notez que Pierre n'a même pas retenu le fait de la résurrection, mais il a seulement entendu la souffrance et la mort, et il pense « à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Alors c'est ainsi que Jésus, intervenant une deuxième fois, dit à Pierre « arrière de moi, Satan », c'est-à-dire celui qui divise, c'est-à-dire celui qui est l'adversaire, c'est-à-dire celui qui n'est pas dans la pensée de Dieu. Donc voyez, la première intervention, Jésus disait « Dieu était avec Pierre pour lui révéler qu'il était le Christ ». En la deuxième intervention, il dit « tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ». Donc, nous qu'à comprendre ni sommes avec Frémio, de temps en temps, même si nous dans l'Église, même si nous avec bon Dieu, même si nous dans bon Dieu, mais de temps en temps, Satan qu'a dans nous, Satan qu'a insufflé dans nous de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, même si nous dans l'Église, même si nous dans la messe, même si nous la caille, nous n'avons la prière, n'importe mauvaise pensée qu'a traversé nous. Même Jean Pierre qui saute dit bon bagay, vient dit on l'autre bagay, on bêtise par après. Mais nous la prière dans la célébration, ça, sommes avec Frémio, pour nous quitter, bon Dieu, grand-mère, la guider nous dans tout ça, n'a dit, dans tout ça, n'a fait. Mais nous surtout, aider, demander, bon Dieu, grand-mère, là, pour lui, nous force avec courage, pour nous prendre responsabilité, nous, au sérieux. Pour nous pas demander, bon Dieu, grand-mère, là, ça, le pas gain pour le fait. Bon Dieu, grand-mère, là, lui, pas gain pour lui, agir dans place, non. Lui, pas gain pour le prendre liberté, non, et puis qu'on y a pour le dire, c'est moins capable d'agir dans place, non. Bon Dieu, grand mère, là, bien pour collaborer avec nous, pour réunir qu'arriver, pour nous gagner une autre société, pour nous gagner l'autre monde, pour nous gagner l'autre pays. Donc, c'est équipe pour nous faire avec bon Dieu. Ce n'est pas demander pour nous demander, bon Dieu, jouer match pour contre et puis nous-mêmes, nous garder tant que spectateur. Ça ne peut pas marcher comme ça, dit tout pour nous. Venons la prière, bon Dieu, pour nous gagner courage, pour nous prendre responsabilité nous au sérieux. Amen.